Bonsoir tout le monde. Comment ça va les gens? Alors, ça va être un live très très calme. Je vais être toute seule dans la logique. Je pense pas que quelqu'un va me rejoindre en vocal. Chiro a des examens cette semaine, donc il révise. Donc voilà quoi. Compliqué. Et bon, souvent c'est avec lui que je live sur MC. Donc voilà. Ça va être très 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 calme cette semaine. Mais on va continuer à avancer un peu la petite zone et tout. Et voilà, tranquillou. Donc j'ai fini la toiture de la maison. J'ai refarmé du bois. Mais j'ai pas eu le time de finir le champ. Donc c'est ce que je suis en train de faire tout simplement. Avant d'attaquer la zone où il y aura le moulin. Voilà, ça me stressera moins dans mon cerveau. Que ce sera moins plot. Cherchez pas à comprendre. On est 10 dans mon cerveau il y a des jours. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour le moulin? Je vais peut-être partir sur du sapin. Avec ça. Et on va rester un peu sur un bloc clair aussi, quand même. Et ça pour un guise de fenêtre, peut-être. Allez, on va tenter ça. Alors. 3, 4. Je pense que ça devrait aller comme ça. Et ouais, ici dans les angles. Hop, 2, 3, 4. La petite hache. Non, la hache, bon sang. Hop. Ouais, avec un bloc stripe sur les côtés. Ça doit le faire. I love check. Ah, diorite. À quel endroit? À quel endroit t'aurais mis ça? J'ai pas regardé assez le chat, j'avais pas vu. Hop. Ah, je fais rarement des sols en andésite poli parce que c'est trop lisse, tu vois. Pour moi, c'est un bloc qui a pas trop de détails. Si, je m'en sers, mais quand je fais un dessin, tu vois. Regarde, punaise, j'aurais dû prendre le stack de sapin, bien sûr. Hello, le coffre. Hop. Alors. 3, 4. Après, on commencera à voir pour les chemins, peut-être. Ce qu'on va utiliser comme bloc. Avant de finir la zone des animaux. 1, 2, 3. Tac, comme ça. On est good. Alors, ça, on est bon. Alors, maintenant, c'est au niveau des fenêtres. Bûche de chêne. On va y arriver. Je saurais pas dire si demain après-midi sera possible. Je sais pas encore. C'est bien pour ça que je te dis que je vais te MP. Parce que... Ah. J'ai des vidéos à préparer la journée. Donc c'est compliqué. Tac. Parce que je suis pas active que sur Twitch. Je suis active sur YouTube surtout. Donc... c'est complexe. Une comme ça, tac. Et t'inquiète pas, dès que je suis dispo, je t'enverrai un MP. Alors, ouais, avec des petites barrières, ça va le faire. En guise de fenêtre. On va refaire un étage. Il va pas être très très haut notre moulin, mais le village est très bas. Donc en soi, qu'il soit très. Pas très très haut, ça sera pas très grave. Au niveau du vent. Alors, on va mettre des petites dalles ici. Comme ça. Hop là. Ah, ici dans les angles, on va même mettre des escaliers d'ailleurs. Comme ça. Hop. Hop. Une autre dalle là. Dalle ici. Tac. Tac. Oups. Hop. On va galérer à poser les blocs, je vous le dis direct. Et dire que le mois prochain, je vais commencer à faire des timelapses de mes bulles pour mes vidéos. Et bah, je sens que ça va être fandard. Il y aura beaucoup de moments à cut, hein. Pour avoir un timelapse valide. Alors. Voilà, quand Hello shift et qu'elle arrête de shift, ce qui se passe. Elle fait la pierre dans l'eau qui tombe. Non. Là-dessus. On va en mettre une ici. Hop. Alors. On était où, là?
Hop. Hop là. Alors ça c'est good. Et comme ça on verra pas trop. Il y aura une différence, une petite bordure entre ce que j'ai voulu faire et ce qui est. Ça sera beaucoup mieux. Donc là ça tac, on met un escalier. Normalement j'ai des escaliers partout, ouais c'est good. Donc là c'est reparti pour du sapin. Et ça. Hop. 4. Donc du coup sur ce mur là, par contre là il y aura la roue quoi. L'hélice du moins, la roue. Oui, une roue, tout à fait. Un moulin avant, tu mets une roue. Oui, tout à fait logique. Hop, 2, 3, 4. Hop. Et vous savez quoi, on va aller refaire un petit tour au mouton avant de commencer. Je vais enlever ça et je vais prendre des blocs sur moi pour après pouvoir monter. Hop. Allez, c'est parti. Il est déjà 18h10, mon dieu, OMG. Oh, les gens, ça passe trop vite. Je vais pas avoir le temps de faire tout ce que je voulais faire. C'est impossible. J'adore. Je voulais fermer le portillon et en même temps j'ai coupé la laine au mouton. C'était génial. Hop. Hop. Et viens là toi. Ah oh, bah ils ont tous repoussé, c'est nickel. Hop. Vous allez tous être tondus. Vous allez avoir froid maintenant, faut pas qu'il pleuve. Sinon vous allez trembler et tout. En vrai, si ça serait vraiment du RP les gens, ça le ferait. Hein. Un petit mouton qui tremble parce qu'il a plus de laine sur son dos, très marrant. Hop, allez. On a un stack et demi, oh, on devrait en avoir assez. Ça devrait être good. Et regardez le cochon où il s'est mis. Mais qu'est-ce que tu fais là, Maurice? Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'un cochon va se mettre dans un petit trou comme ça? Il a pas mieux à faire, non. Ah non, il a peur des mobs. C'est vrai, c'est vrai. Petit cochon sans défense, les gens, c'est pour ça. Bon, en vrai, ça me choque pas tant que ça, les boutons. Qu'est-ce que vous en dites? Et je viens de penser qu'au bout du... Au bout, j'ai oublié de mettre des blocs de sapin avec toutes les corses. Non, c'était le zoomello. Il faudrait que je modifie ça. Bon, je modifierai ça hors du live. Il faudrait que je mette du bois avec toutes les corses de chaque côté. Bon, ça rend pas si dégueu en vrai. Je vais mettre le fly vite fait, juste pour voir un peu de haut ce que ça donne. Bon, ça va encore. Ça me choque pas plus que ça. Ouais, ça fait un beau petit chapeau. Je vais aller vite et ça sert à rien parce que je pose mal mes dalles. Ah, j'en ai posé une en bas, mais je la ramasserai pas. C'est pas très grave. De toute façon, j'ai plus besoin de penser économie. Maintenant, j'ai ma quille pour farmer. C'est à l'entend la rediff du live. Elle va me tuer. Ah, c'est dit avec amour, de toute façon. Donc, soit on part sur un chemin végétal comme celui-là. Soit on part sur un chemin comme ça avec de la cobble, du gravier, de l'andésite et de la moussue. Qu'est-ce que vous préférez? T'en t'aimes bien le mien aussi. Alors, pattern végétal ou pattern pierre? Le naturel. Ok. On va casser ça. Depuis le live d'hier, donc j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Donc j'ai fait tous les chemins avec le pattern végétal comme on avait choisi ensemble. Donc voilà, il y a des chemins un peu partout. Il y a même un creeper juste là. Ça tombe bien, on va avoir besoin de poudre de creeper pour pouvoir aller dans l'aine bientôt. Alors, on va se prendre la petite poudre. Donc il y a des chemins partout, vous voyez. Donc j'ai fait ça. Hop, on peut se balader, c'est plutôt cool. Maki m'a filé un coup de main à la former de la stone pour pouvoir commencer un peu la muraille après. Donc c'est plutôt bien. Ah bah ici on a eu un bug des familles, on va dire. Je sais pourquoi. C'est parce que... Ah oui, du coup... Ah ouais, c'est vrai, quand je casse le pot de zol sans seal touch, ça me donne du... Ah, ça va m'embêter. Alors...
Hop, on va vite fait modifier ça parce que c'est pour ça qu'il y a eu de l'herbe sur le chemin. C'est parce qu'on a ici dans l'angle l'herbe qui s'est propagée. Hop, donc on met ça, donc voilà. J'ai fait le champ également. Donc il est partout devant le moulin. Je pense que quand tout sera poussé, ça sera bien classe et surtout quand on verra de d'hauteur. Donc là, l'objectif est de faire du coup la porcherie et le clapier, mais j'ai fait un pattern de muraille qui sera celui-là. Oui. C'est pas du tout ce que je fais d'habitude, c'est complètement l'opposé de ce que je fais d'habitude, mais j'aime bien. Ça change justement des habitudes. Donc il faut rajouter des créneaux un peu tout autour, mais voilà un peu le système qu'il va y avoir tout autour de l'île. Donc de la concrete powder bleue, et puis après c'est de l'andésite, de la stone brick et un petit peu de cobble. Donc ma foi, pas des matériaux très compliqués à avoir, mais Maki m'a quand même filé un bon coup de main en formant un coffre de stone. Donc c'est plutôt sympa de sa part. Alors voilà, donc on va attaquer la porcherie, c'est parti. Donc j'ai dit qu'on allait la mettre là-bas de l'autre côté, donc c'est pareil, il faudra que je réunisse avec un chemin tout ça, mais... Voilà, là l'objectif c'est vraiment de faire le clapier et la porcherie dans le live, histoire que voilà, on ait le contenu définitif au niveau de tout ce qui est fait ici au niveau bâtiment, on va dire. Il faudrait que je trouve, je pense qu'ici je vais faire un gros arbre custom, je vais essayer de voir comment je fais un. Parce que là il va avoir la muraille tout le tour ici. Qui va faire tout le tour. Comme ça. Autour du village. Donc, il va y avoir des... je vais rajouter des arbres, des feuillages, des buissons par-ci par-là. Et là, on va avoir tout un contour, voilà, en stone brick, un chemin de ronde, vous voyez, pour pouvoir s'occuper de la défense du village. Donc, voilà, c'est le pattern que j'ai décidé. J'ai fait complètement différent d'habitude. Mais ça me plaît en vrai. Ça fait un... Alors, je vais te dire à quoi ça me fait penser. Et vous allez trouver que c'est un peu what the fuck. Alors, pour moi, ça fait des ailes. Là, la stone brick, là, ça fait des ailes. Là, la pierre sculptée serait une tête. Là, ça serait une épée. La pierre. Et ça me fait penser à un ange gardien. Donc maintenant, dites-moi que j'ai fumé et c'est bon. Je l'accepterai volontiers. J'accepterai volontiers, les gens. Parce que j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais c'est comme quand on regarde les nuages dans le ciel et qu'on se dit ah bah tiens ce nuage là ressemble à ça. Des fois t'es là et ta famille te regarde et en mode mais what the fuck, qu'est-ce que t'as pris pour voir ça? Et bah là c'est un peu ça. T'as plus que fumé qu'elle me dit. Merci Maki. Mais voilà, on est plutôt pas mal hein. Notre petit pont. Hop. Donc là-bas, on va au mouton. Là, on va à l'enclos où il y a les carottes ou les pommes de terre. Pommes de terre. Voilà, on peut vraiment se promener partout. Donc c'est plutôt cool. Et quand il y aura toute la muraille autour, bah, on verra déjà une sacrée différence. Et on pourra rajouter de la végétation, tout ça. Le blé a poussé le temps qu'on bosse. Alors je trouve que ça rend mieux quand le blé est poussé quand même. C'est pas mal. Ah, je suis contente. Ça commence à ressembler bien à quelque chose. Les deux lives de cette semaine auront bien, bien servi. Les deux premiers lives. Plutôt cool. Bon bah voilà. On s'est promené un petit peu, voir un peu comment c'était. Donc ouais, donc on a fait notre petit. Bah ils sont où? Ah c'est. Attendez, il est où mon truc à lapin? Ah là. Avec notre petit lapin solitaire, il faudra que je ramène un deuxième. Et puis là, l'enclos à cochon du coup. C'est plutôt bien. Hop. Ça commence vraiment à avoir de l'allure là, avec les petits chemins comme ça. Hop, faut que je continue ça hors stream, mais... Voilà, pour le prochain stream, ça sera fait et on s'attaquera au petit bungalow du coup. Donc, ouais, on va s'arrêter sur cette note. Donc, comme ça, vous allez m'expliquer comment on fait les hosts là, parce que je sais pas comment ça marche. Toi... Ah bah d'accord, il a même plus son enclos. Son box. Ah bah, il va aller dans le box du chien, voilà, pour l'appel. Voilà, Shiro. Ça sera comme ça et pas autrement. Voilà. Bon. Voilà. On va s'arrêter là. Donc on va regarder comment ça marche les hosts, les amis. Donc je vous laisse là. Je remercie tous ceux qui ont follow ce soir. Je vous remercie d'être là. Ça fait plaisir. Donc vendredi, on va essayer de faire un live Roblox. Mais pas sûr. On fera peut-être quand même du Minecraft. Écoutez, c'est pas grave. Il y aura plus de Minecraft cette semaine. C'est pas un grand drame. Bon bah voilà. On se laisse là. Je... Reviens vendredi pour un stream, donc Minecraft ou Roblox, je verrai bien. Et samedi, on essaiera de faire un plus gros stream du coup parce qu'on a atteint les 200. Voilà, je vous fais des bisous tout le monde et je vous retrouve vendredi pour un prochain stream. Bye bye tout le monde!